sur le plateau un étudiant en informatique qui l'habite fondée, François Baillergeau. Une étudiante en journalisme, elle est parisienne, Alice Deben. Et notre champion médecin originaire de Toulouse, Pierre-Jean Poussette. Pierre-Jean qui a déjà réalisé un gain de 43 900 francs en deux jours. Enfin, pour donner un air de fête quotidien à cette nouvelle année de Géopardy, voici Philippe Risoli. Bonjour à tous. Toute l'équipe de Géopardy se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette année 1990. Nous tenions à vous rendre. La littérature russe, 600. Pour 600, l'acteur français interprétant le rôle de l'idiot au cinéma en 1946. François. Qui est Gérard Philippe? Oui, je vous écoute. Dans les terres. François. Qu'est-ce qu'il y a, Raz-Marais? Oui, je vous écoute. La langue dans le langage, 600. La langue dans le langage, nous jouons pour 600 lorsqu'on est prêt de trouver le mot qui échappe. Alice. Qu'est-ce qu'avoir un mot sur le bout de la langue? Oui. La langue dans le langage, 800. La langue dans le langage pour 800, renoncez à deviner. François. Qu'est-ce que donner sa langue au chat? Oui, François, votre choix. Les premiers, 200. Les premiers, nous jouons pour 200. Le premier martyr chrétien. François. Qui est Étienne? Oui, qui est Saint-Étienne, je vous écoute, Étienne. François. Les premiers, 600. Aujourd'hui, en tant que candidat, bien entendu, vous avez 2800 francs à votre banque. Vous pouvez jouer de 50 francs à 2800 francs si vous le souhaitez. Cette réponse ne s'adresse qu'à vous, François, je vous écoute. Banco. Banco. 2800 francs sur une réponse qui porte sur les premiers. François doit déterminer la question. Voici la réponse. Regardez. Le premier livre imprimé par Gutenberg. Qu'est-ce que la Bible? Oui, François. 5600 francs, je vous écoute. Les premiers 1000. Assassin du duc Louis d'Orléans en 1407. Qui est Jean sans peur? Votre choix, Pierre-Jean. La maison d'Orléans, 1600. Pour 1600, en 1950, après l'abrogation de la loi d'exil. François. Quand la famille d'Orléans revint-elle en France? Oui, le comte de Paris en particulier, oui. Je vous écoute. En particulier. La maison d'Orléans, 2000. Pour 2000, l'oncle de Louis XIV, activement mêlé à la fronde. Qui est Gaston? Gastounet d'Orléans. Votre choix, François. La maison d'Orléans, 800. Ah! François, regardez-moi. François, ouais. C'est un moment important. 12 400. Pierre-Jean, 12 400 pour vous. Il reste des petites broutilles, il y a 400 balles ensuite. Que faites-vous, François? Eh bien, 8000. 8000 francs, une seule réponse, une seule question, bien entendu, et nous jouons avec la maison d'Orléans. François, voici la réponse pour 8000 francs. D'août 1830 à février 1848, c'est le nom donné au régime de Louis-Philippe. Vous formulez bien la question et vous nous dites. De quand a duré la restauration? Eh non, malheureusement, c'était bien de quand, éventuellement, oui. Parce que là, ça va. Mais combien de temps a duré la monarchie de Juillet, mon cher François? Nous allons vous débiter 8000 francs, vous conservez la main, je vous écoute. Oh, la maison d'Orléans, ça fait. Pour ce premier Géopardy final de l'année 1990, nous avons choisi de jouer avec la mode. Voici la réponse concernant la mode, regardez bien. Le créateur des robes rondelles de plastique. 30 secondes de réflexion, top chrono. Fin de la petite musique, fin des 30 secondes de réflexion. Nous allons immédiatement découvrir la question que vient de formuler notre ami François, le créateur des robes rondelles de plastique. Vous nous avez dit, François, qui est Paco Rabanne? Invention qui date de 1965, c'est la bonne question, François. Combien avez-vous misé? 4200 francs. Nous vous les accordons et vous passez à 8600 francs. Quel dommage que vous ayez chuté tout à l'heure sur cette question. À vos côtés, il y a Alice. Alice, 9400 francs, qui est André Courrèges. Et non, puisqu'on vient de dire que c'était Paco Rabanne, combien est-ce que vous avez misé, Alice? 9300 francs. Nous vous les débitons et vous passez à 100. Reste notre champion, reste Pierre-Jean. Qu'a-t-il répondu, Pierre-Jean? Qui, aïe, 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 qui est Courrèges? Et non, encore une fois, on insiste bien, c'est Paco Rabanne. Combien avez-vous misé? Trop. 5000 francs, nous les débitons.
vous passez la 7000, Pierre-Jean, et contre toute attente, vous perdez votre titre de champion au profit de François et de ses 8600 francs pour sa première participation aux Jeux Pardi.